Alors, Docteur Chien. 300 cailloux, un dragon. Ah oui, 300 cailloux. D'accord. Non mais, faut pas gueuler comme ça, tu vois. Vous vous faites du mal. Il m'a fait peur lui. Oh là là. Là il y a la clé. Clé repérée. Oublions. Retourbillon. Passer par lui d'abord. Ah. Attention. Là, c'est du beau gameplay ça. Oh merde, pardon. Je pensais pas l'avoir du premier coup en vrai. Putain, c'est un petit peu ironique. Pardon. La clé directement, ça c'est parfait, on a besoin d'y retourner. Le Drake. Rondo. Le docteur Shem se croit tellement cool. Tu sais pas ce que c'est que de l'entendre parler encore et encore. Mais laisse-moi te dire un truc. Il devrait surveiller ses arrières. Alors, c'est encore une fois un boss nul. Hein. Je préfère le dire. Non. On reprend Drake, s'il vous plaît. Ok, Drake, c'est bon. On a eu les coffres. Ouais, ça va. Donc, on va pas y retourner. Hein. Bon, le boss, c'est cette chose là, hein? Ce truc nul. Une petite référence à. Référence à Crash Bandicoot sur le masque, je pense. Il nous manque des gemmes. Allez, go. On va lui botter les fesses. Allez. C'est dur, hein. Y'a pas des cailloux, non? J'arrive pas. Ah, c'est
Bah mince. Mince. On parle pas du tout en plus hein. Bien hein, qu'il faut lui cramer les fesses. Ah attendez, c'est fini. Je vous embête le chat, je vous embête fort. Frustrant. C'est très très frustrant. Vraiment. Voilà. Là, je comprends. Voilà, je passe vraiment gaffe, il y a le vide à côté. C'est le seul moyen de toucher, je le comprends bien.
ça c'est la phase vraiment bruit qui sert à rien. Hein. C'est juste pour nous dire crame-lui les fesses quoi. Non, on va lui cramer. Voilà. Voilà. Faut y aller sans réfléchir en fait. Pas de cailloux là. Et on peut pas. Ouais, on aurait du mal. Bon. Allez, phase 3. Oui, c'est ça, rigole. Ouais. Non! Bon, il m'a pas touché, mais j'y étais quoi. Voilà! Il va me manquer un caillou. Je le vois. Vous voyez tous en face. Et de 300. Par où je peux redescendre sans que ce soit trop risqué? Par là. Voilà. Et là on refait le tour, c'est ça? Non, on refait le tour. Ah mais ils sont tous... Bah oui, forcément, ils sont tous de nouveau là. C'est pas grave. Cette zone est terminée. Ce monde même, le monde est terminé. Tournons à la maison. Encore. Ah, pour toi, Imagero. Yes. Alors, on va à la montgolfière et on va changer de monde. Que tu aies retrouvé si vite autant de trésors. Si tu es prêt, monte à bord et en route pour le monde des ouvriers magiques. Magique. Il n'était pas simple celui-là, je crois. Il y a plein de plateformes, de zones de vide, des trucs comme ça.